pied. C'est pas normal d'après directeur exécutif programme Nations Unies pour environnement Inger Andersen. Pendant insister, c'est un problème qui affecte l'économie mondiale, li aggrave changement climat ak perte diversité biologique ak pollution. Majorité manger qui jeté dans fatra de monde là. Sous Alter Radio, li fait. C'est eux. Bonjour, ici Malou Bavoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, ta belle. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, ta belle. C'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire. Nous allons parler d'une série de questions tant qu'où. Environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, ah oui, pour nous travailler pour nous. Émission pour demain Kabel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Salutations pour nous toutes amis auditrices, auditeurs qui écoutent kounye la Alter Radio émission pour demain Kabel. Nous saluons Étienne et nous bien contents ou vivants. Nous saluons Mackenzie tout, nous souhaitons nous continuer à être vivants dans un pays une série de monde pensée, yo ka touye nous tous. Nous saluons Colette, nous saluons tous les auditeurs et auditrices Alter Radio, en particulier les auditeurs et auditrices émission pour demain Kabelio. Nous saluons Mackenzie et Colette, tant que j'en toujours dit, n'a pas résisté. C'est ça, et c'est peut-être ça, n'a pas continué émission pour demain Kabel, parce que nous avons espoir, espérance, demain capable belle en Haïti, et conseil de journée. Pour nous capables de travailler pour demain en belle, tant que journée forêt, tant que journée de l'eau, tant que saison pied bois, pour nous continuer à réfléchir et travailler sur ça. Oui, Colette, en façon pour faire nous comprendre, pendant la semaine qui est passée, pendant le mois passé à là, nous avons deux journées qui passent qui sont importantes pour nous. Ah oui, vous voulez parler de 21 mars, qui était journée des forêts, mondiale des forêts. 22 journée mondiale de l'eau et puis mois d'avril là qui commençait et sans compter campagne printemps qui c'est une plus gros campagne pays à gain qui t'a supposé commencer le 21 mars. Ça veut dire saison côté paysan a metté manger dans terre et a planté pour demain Kabel. Belle. Eh bien, et nous pral parler jodi a dans émission hein, après nous fin ba quelques petites nouvelles avec un agronome dans zone sud, c'est William Denis, il est président directeur général Apodi. Apodi c'est agence de promotion pour le développement intégré. Avec lui nous pral parler de journée forêt yo 21 mars, journée de l'eau et saison de la blanc qui commencé. Nous souhaitons une bonne participation. Oui, fuck demain, belle. Alter Radio. Pour demain, ka belle. Nous saluons tout le monde qui a écouté encore. Etienne, tu as un phénomène. Oui, qui t'est passé 8 avril là. C'est affaire soleil là qui t'a éclipsé. Ou bien la lune t'a éclipse soleil là que en pile nous relé éclipse solaire c'est ça mot français a dit ou pas de garder soleil là
nous va garder, nous va garder ben un pays, un gros pays ou ben dans l'autre pays, gain des lunettes spéciales pour capable garder un bel phénomène comme ça. De toute façon, nous pas capable fixer parce que nous pas gain complet genre l'été dans quelque l'autre pays. Même temps des bagages, on sait de monde la religion a raconté peuple haïtien pour faire peur. Moi trouver ça c'est grave. Mais on pas prendre tout aspect scientifique pour t'expliquer au fond paquet de monde la pérèse. Est-ce que phénomène ça Étienne capable gain des conséquences sur plantes, sur monde, sur bête? Jusqu'à présent, gain recherche qu'a fait pour garder les conséquences nous comprendre capable gain sur monde. D'ailleurs, autant de dit nous puis garder avec yeux nous, ça veut dire des conséquences sur santé yeux, surtout ophtalmologue qui ça c'est soit regarder. Oui, soit regarder. Et en plus si n'ta pas prendre garder on bête tant cou poule ouais dans moment le fait si fait noir bête la pensée c'est soleil la cal coucher ou elle monter pied bois en tout cas elle dormi puis bonheur elle dormi puis bonheur après elle le soleil elle retourne descendre pied bois encore sans compter au paquet de bonne l'autre bête qui pas même capacité avec nous pour joindre information pour réfléchir qui gagne même type réaction ça en tout cas yo même yo gagne yo capté ba yo gens de toute façon. Et paysan les la planté, li toujours pensé gen yon relation plante liya avec sa kap passé et nan planète la yo, nan soleil, nan la lune, etc. Et li dit li même bon, c'est telle la lune pral planté ou bien c'est telle la lune pa planté, parce que bagay sa ou ka agi vraiment sous plante, sous bête, sous monde, même si nous pas capable pas gen toute étude qui dit mais exactement qui conséquence yo ka gagné. Oui. Oui. Ça c'est résultat observation yo fait pendant en plus tard de s'implanter tel bagage tel heure la bon. Et Étienne, gen l'autre nouvelle oui, ou konnen et soit fait changement climatique là, yo commencé ouais qui pays avec qui institution qui gros business qui plus a pollué la terre, a pompé gaz qu'a fait changement climatique là, a fait terre chauffer. Oui, gon article qui publié. Dans l'article, ça, on a besoin de liste près de 57 pays pollueurs. Et 57 pays, ça aussi plus multinationales et qui a. C'est des gros institutions même, voilà, surtout qui n'a question pétrole et qui la donne. Et pays, ça a un des multinationales, ça a même presque c'est eux. Ils émettent près de. Ils émettent. Voyez ou bien lagué dans l'atmosphère là 88% gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, c'est gaz qui permet le changement climatique là aller plus vite. Il fait terre chauffer. Alors il dit on 57 et institutions surtout si là yo qui dans bagaille et gaz, pétrole et yo parlé de en série oui et puis yo parlé tout de on sait de pays tant que la Chine, la Russie. Et mais pi fort gaz cap chauffer terre c'est yo même cap pomper. Yo parle de 88% émission gaz à effet de serre et dans la sorti. Et article là dit faut moun ça payer. Oui. Ayo 57 là seulement. Yo émet bon même dit met la gain dans l'atmosphère là 251 gigatonnes de CO2. En pile. Non, ça en pile. En pile gaz carbonique. Ça vraiment. Donc et moun ki fè article la yo di kounya y a fè une sorte de base de données pour yo wè ki quantité bay moun sa yo a plagé dans la nature. On connaît jodi a. Nous pourrons le recevoir. Agronome William Denis, qui est PDG à Prodi. Avec nous pourrons parler de questions agroécologie, Journée mondiale forêt, Journée mondiale d'eau. Et puis avec Saison Pied-Bois. C'est un plaisir pour moi de rejoindre nous et nous pourrons vous parler de notre manière très fort. Et moi-même, c'est Agronome William Denis, ingénieur agronome, et maître en agriculture durable versus agroécologie. Moi, c'est président directeur général APODI, agent de promotion pour le développement intégré, qui est fondé le 5 décembre 2011, mais qui travaille dans la question agriculture, environnement, formation en milieu rural, etc. Nous chita Cambry, sur route de l'aéroport Okaï,
et c'est là tout nous tout bien on ferme agroécologie et en dans ça nous tout bien un espace étudiant et je pense que nous capable tout présenter nous ferme là parce que ferme agroécologie mais oui et ferme agroécologie nous gain plusieurs activités en dans ferme là parce qu'il y a dans cadre du programme c'est programme d'appui à la transition agroécologique et en dans ferme là nous gain des pépinière, culture maraîchère, Afrique africaine. Nous gagnons élevage, nous gagnons poulailler, nous gagnons chèvre, nous gagnons élevage qui nous colle. Donc, on peut nous battre la créole bien et on fait élevage cabrit. On fait élevage cabrit, on fait élevage poule, nous fait élevage lapin et nous fait élevage abeille. Oh d'accord, nous faisons si au miel. Oui, et puis ça tout ça aussi ça nous vient dedans seulement mais nous avons un espace étudiant et nous est l'espace étudiant, c'est là dedans nous recevons étudiants pour stage et nous avons trois types de stages que nous recevons étudiants. Nous avons un stage de formation en agroécologie à l'agriculture durable que nous offrons étudiants et quel que soit monde qui veut entamer qui soit agriculture. Et nous avons un stage professionnel, côté étudiants, nous avons un stage professionnel pour regarder comment on est capable de mettre en pratique un ensemble de connaissances que nous avons. Et puis nous avons un stage mémoire, un ensemble d'étudiants qui ont fait mémoire, qui lient avec une thématique, qui lient avec l'agroécologie, par rapport à la fertilité des sols, sélection variétale, protection des cultures, etc. Mais des thématiques qui sont liées avec l'agroécologie. Et bien, apporter lui-même, supporter le balatrice technique et tout ça qui peut permettre de réaliser le mémoire, permettre de faire ça. Et c'est ensemble des activités que nous avons en dedans, maintenant. Et bon, je pense que c'est un moyen pour nous garder comment nous sommes capables de contribuer dans le développement durable du pays. Merci à Gros-Denis. Donc, nous sentis notre thème qui intéresse nous. Napodi, nous sommes partenaires déjà et émission pour demain Kabel parce que c'est sous thème ça où nous travaillons tout développement durable, agroécologie et protection de l'environnement, agriculture familiale, paysanne, etc. Alors aujourd'hui on a parlé sur un sujet bien spécifique parce que nous avons quelques dates importantes dans le mois de mars là et dans le mois d'avril là. Mais c'est sûr que bon bon l'autre sujet on parle là, on peut retourner sur l'autre là. Pour nous parler de yo. Mais nous avons une journée qui est journée forêt. Ou cap fait nous songer qui date l'été et puis pour qui ça journée ça? Oui, journée internationale forêt. Journée internationale forêt célébrée chaque année, 21 mars chaque année. Parce que c'est une journée qui célèbre dans l'idée pour sensibiliser le monde concernant l'importance. Forêt gagnant et important forêt gagnant qu'il soit en termes de conservation, qu'il soit en termes de développement et qu'il soit en termes d'écotourisme, etc. Et pour permettre un bien-être côté que pour le monde capable de vivre bien. Parce que nous constatons que la forêt lui-même, qui est un patrimoine qu'il y a, et un patrimoine qui peut permettre la nature lui-même. Li capable de bien fonctionner dans le temps normal li et li baille tout une série de services li retourne une série de services avec l'humanité et l'impact du service côté que moun yo capable approvisionner yo et service côté que pour ali même li contribuer dans l'équilibre yo parle de équilibre thermique côté que yo diminue équilibre chaleur si m'a parlé de équilibre thermique et lui contribuer dans le recyclage question de l'eau et par la part des cycles de l'eau et forêt lui même contribuer dans ça yo et lui calmer chaleur lui bord de l'eau lui calmer chaleur et tout le bail d'eau forêt yo et l'engagement est tout important ça yo en Haïti nous chiche bien nous sommes un pays qui gagne pipi forêt dans monde là a éduquer côté que qui gagne pipi bois pour ici qui gagne dans monde dans hémisphère côté noyé là
Eh bien, l'on considère que l'important soit gagné à propos de lui-même, il dit que faut regarder comment il est capable de j'arrête avec question sensibilisation, mobiliser le monde, faire éducation au monde dans la question forêt. Et c'est pour une raison qui fait que non seulement il faut avoir une place de choix avec les jeunes, mais il y a une place de choix avec l'agriculture et tout. Parce que nous constatons que l'agriculture, c'est eux-mêmes qui permettent aider nous gérer. Et espace forestier nous parce que nous considérons comme nous-mêmes comme nous gestionnaires paysages côté hier parce que pas seulement faire agriculture mais y aider nous gérer paysages là et là gérer paysages là et bien y protéger affaire diversité des vies qui vient dans l'espace là et permettre plus être vivant qu'à vivre dans l'espace là évoluer le jour. Ou dit agriculteur, eh ou dit agriculteur paysan yo, mais gen des moun ki dit tout c'est eux même qui a coupé pied bois. Depuis y a parlé de pied bois qui a disparu dans pays là, c'est sou yo tout moun nan jé douèt. Ouais, mais peut-être c'est un manque d'information que moun yo gen qui fait au canard douèt sou yo parce que y a une raison qui gen qui fait ça c'est que développement pays pas qu'a fait pas que l'état paysannerie a milieu paysan va développer. Yon moun, ou pas arrêter aussi de l'ensemble des îles seulement, et puis pour négliger milieu paysan. Parce que milieu paysan lui-même, c'est lui-même qui permet, même qui dans la ville là lui-même, nous vivre. Non seulement il va pas obligé de manger, et puis gérer question à un pied bois qui vient là, il passe côté paysan, et bien, plus il y a un repère qui sort aux villes. Et bien, paysans ou même lagé pour compte yo. Yo pas jeune éducation, yo pas jeune mobilisation, yo pas jeune sensibilisation, yo pas jeune aucun encadrement du tout pour qui encadrer yo. Pour faire yo connaître qui yo fait monde, pour faire yo connaître yo important, yo un place important dans via, eh bien, laisse yo même, c'est-à-dire laisse yo même yo capable faire n'importe ça. Et chaque fois après qu'il a produit lui-même, chaque fois qu'il rencontre un paysan, l'idée son chapeau bien bas devant paysan pour paysan merci parce que lui permet de vivre parce que lorsque nous compte que on agriculture lui-même pour vivre environnement lui permet de vivre paysan lui non seulement la permet de vivre et la pour vivre tout parce que c'est lui-même qui doit manger et pour le bon manger faut sol la lien n'est pas dégradé faut que bois on pas coupé faut que sol la lien toujours des capacités pour toujours produire mais pour permettre sol la toujours des capacités pour produire pour permettre l'eau etc. Les paysans qui jouent ça et ça fait nous même là pour dire nous pas considérer les paysans comme une tête agriculteur nous considérer les paysans comme un gestionnaire du paysage a éviter paysage côté paysan et à éviter gestionnaire a éduquer ça fait nous même nous voulons réconcilier agriculture avec environnement. Et pour agriculture avec environnement sont seuls. Tout autant que agriculture avec environnement pas sont seuls, il y a un pays de problèmes qui n'a plus besoin. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Agronome, vous avez montré très bien qu'il y a un lien entre forêt et de l'eau. Parce que 22 mars, c'était la journée mondiale de l'eau tout. Quand il y a ou parlez de qui différence? Et puis, je me suis lancé saison pied-bois. De qui date il a commencé, qui date fini? Et qui rapport, qui différence entre une forêt et pied-bois? Pour que ça nous gagne une journée forêt et puis qu'il y a une saison pied-bois? Eh bien, j'ai une autre question, je ne pourrais aller inviter le 21 mars.
22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et puis, nous avons entre 1er avril au 30 juin, qui est la saison de l'arbre. C'est trois journées, ou bien trois thématiques qui sont tellement liées. Et ces trois thématiques qui permettent tout la vie lui-même possible sous terre ça. Et donc, nous avons lui-même, c'est lui-même qui permet forêt à lui-même. Avec que, en dedans, forêt à lui-même, mais yon forêt lui-même, pas forcément yon arbre. C'est un pile en pile. Comme on dit qu'on explique ça, bah, yon pied bois, yon pied, yon arbre, en particulier lui-même, il va définir une forêt. Mais yon forêt lui-même, il y a une superficie qui est liée avec lui, il y a une couverture qui est liée ensemble avec lui pour dire que ça lui-même est une forêt. Et actuellement, là, nous-mêmes, dans la poti, nous avons pour nous aller à gros forêt. Ça veut dire? Agroforêt, c'est comment capable de lier forêt avec agriculture. Et ou bien de parler de agroforestier. Je connais la question agroforesterie, c'est les gens qui mettent pieds bois, beaucoup de jardins. Je connais un type de pieds bois avec jardin. Avec agriculture, mais il faut qu'on forêt. Par exemple, une fois on hectare là ou bien on carotte et bien la carotte ça on est capable bien environ 50 à 100 pieds bois pour petit na carotte ça et puis on fait jardin là-dedans ou marier là avec culture etc. et suivant strate en termes de dimension chaque pied bois et bien lui-même pour les constitution forêt par du constitution agroforêt ou bien constitution système agroforestier. OK. Voilà. Voilà, oui. Nous même en Haïti, nous apprenons une série de modèles agriculture pour permettre existence forêt, pour permettre existence agro, pour permettre un environnement lui-même fonctionner comme ça doit pendant ce temps pays dans lui-même la paix agriculture sans rien pas bail l'autre problème. Oui, parce que toujours un conflit entre paysans qui besoin espace terre pour le faire manger, pour le produire, et puis pied bois qui besoin tout un espace pour grandir, pour ou pour pied mango par exemple qui prend 40 mètres comme ça, il y a une circonférence ou bien de 40 mètres, un rayon de 40 mètres. Bon, paysan gagne la doule, pas qu'à mettre pied bois ça dans jardin li, parce que si ça le gagne en petit, son petit mouchou à tête, c'est un coup conflit tout le temps entre ça dans carré long forêt et agriculture en Haïti. Comment pour nous résoudre le problème ça? Conflit a créé par manque de connaissances que agriculture a lien pour les faire, pour les harmoniser ou bien pour les marier agriculture ensemble avec un pied de bois. Par exemple, une des capins ou bien Haïti lui-même qui sont un pays qui est trois camarades. Puis fort, ça veut dire que trois quarts agriculteurs ont fait jardin dans le monde. Et pendant que c'était fait jardin dans le monde, si toutefois ils n'ont pas marié jardin qu'ils ont fait avec forêt, eh bien après 10 ans, ou après qu'ils n'ont pas aucun pied bois qui n'a pas été monté. Et il y a un constat à produire dans le département sud là, c'est tout dans le bassin versant, Saint-Jean du Sud, Tibiouan. Et comme capable dans côte sud là et qui gagne plusieurs communes là-dedans, si on prend Saint-Jean du Sud, Braniquem, on prend Port-Salut, on prend Roche-à-Bateau, on prend Coteau, on prend Port-à-Piment, on prend Chardonnay, on prend Les Anglais, on prend Tidion et l'enda de Mon qui trouve dans commune d'ayo autrefois Mon d'ayo c'est qu'on fait yam, c'est qu'on fait café, c'est quand on fait des kits vivrières, marié avec pied bois. Eh bien, je ne j'ai dit, ou capable de chercher un pied bois, j'avais mon compte là, à bougie de nuit, ou pas capable de jouer dans l'espace ça, parce que, yo coupé yo culture qui ont fait, pas adapté, et façon plus au planté, pas adapté, qui parle de pratiques à l'école, yo, façon au planté, yo pas adapté, et bien, vient permettre dégradation ça lui-même, fait dans le bloc ça. Yo mettez poids sur moi.
Pardon? Si vous mettez poids, vous mettez? Vous mettez poids, pistache, pistache, qui sont qui érodent, vous faites un peu de pistache, vous faites poids, etc. Mais ce n'est pas ça qui est problème, non? Comment vous plantez Kounia? Est-ce qu'il y a une marie culture avec arbre? Est-ce qu'il y a une idée, une structure de conservation de sol pour conserver de l'eau, pour conserver le sol, etc. Et ça fait une agroécologie, agroforesterie, etc. L'on connaît ça. Paysan lui-même, il va seulement planter, mais il y a un salaire aménagement parcellaire. Il aménage parcellaire pour permettre que l'eau, la pluie tombe, l'eau alien, il entre dans la terre, au lieu de courir sous terre, pour permettre les. Et la saline la permet d'éviter l'érosion tout ça, et bien pour permettre un agro-système sur le côté de la plus durable. Dans ce sens, agronome, puisque nous rentrons dans la saison pied-bois, qui a fini jusqu'en mois de juin, qui ça pour nous t'a fait, qui ça pour nous t'a conseillé ou même tout le monde qui est dans le pays, qui est dans la ville, qui est dans le milieu rural pour nous t'a fait? Oui, et moi-même, moi-même personnellement et à travers Apodi également nous ouais faisons de la bla une autre façon par rapport à l'autre par exemple en plus on a vu que pour permettre au monde planter un pied bois faisons de là planter du pied bois planter 20 pieds bois etc planter pied bois c'est pas lui-même qui est solution il y a des laisser enterrement en fait oui parfois c'est enterrement au fait que j'ai c'est entrer pied bois ça vient en dans programme et ça fait nous-mêmes nous baillons place de choix avec ça elle renforcement capacité productive par rapport à une série de formations de sensibilisation etc. Et ça faut avoir que programme d'appui à la transition agroécologie nous avons environ 30% là-dedans qui fait formation qui oui nous fait formation pour jeunes formation pour agriculteurs etc. et entre dans un cadre côté que et non seulement planter pignon mais réussir pied bois planter à lien dans l'autre bagage par exemple l'on planter pour assurer que pied bois à lien réussit il faut assurer sous terre ou planter là mon dans lien du compte importance pied bois ça qu'on planter sous terre là ou pas le planter n'importe qui côté ou pas qu'à planter n'importe qui côté ben c'est ça et ça fait dans saison de là dans saison de là du 1er avril au 30 juin et nous avons un programme dans Apodi formation avec producteurs avec une série de jeunes pendant qu'il y a planté pied bois et même planté pied bois partout assurer suivi avec eux pour permettre pied bois d'aller mûrir. Merci en pile agronome nous même certains ont planté pendant tout le mois d'avril là et la saison la blé a bien commencé. Et n'a retourné pour nous voir si pied bois yo bien prend et si a grandi. Nous remercions pour participation dans l'émission pour demain Kabel et nous certains n'a rencontré encore. Oui, c'est vraiment un plaisir pour nous et ça fait nous demander et quel que soit auditeur auditrice qui attend l'émission ça et pour lui passer vite à Apodi et garder comment c'est capable de collaborer ensemble avec nous. Pour permettre de faire plus d'impact dans le pays, malgré nos situations dans le département sud, parce que nous voulons pour nous ouvrir agriculture en l'autre façon, pour nous ouvrir environnement en l'autre façon, parce que l'environnement lui-même avec l'agriculture lui-même qui permet nos villes, c'est lui-même qui fait nos villes, et bien ça tout, et bien l'organe information ou bien connaissance de ça, et bien on va bien attaché avec la nature. Et ça fait 28 juillet, c'est journée mondiale de la conservation de la nature. Nous avons trois jours portes ouvertes que nous avons fait pour permettre aux gens, quel que soit le niveau d'éducation, de être capable toujours attaché avec la nature, etc. Merci un peu, l'agronome. Merci un peu, c'est un plaisir. Oui. Pour demain, qu'à belle. Faut demain, belle. Nous sommes avec nous, ingénieur agronome William Denis, PDG Apodi. Nous avons rendez-vous avec tout le monde semaine prochaine pour l'autre émission pour demain Kabel. Bye bye tout le monde. Pour demain Kabel. Oui, fuck demain belle.
Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant coup. Environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe Média Alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, ah oui, pour nous travailler pour nous. Émission pour demain Kabel passe chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, quoi, une réflexion nécessaire. Si ça nous place, on directeur sans professeur. Je suis capable. Grand leçon. Aujourd'hui, c'est le professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la santé, ben on dit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, faut qu'on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Ouais, c'est celle qui a aimé qui mise au pied, pardon. Nous voulons régime côté nos sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société, yo a changé, radio rete yon gros moyen information. Partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Côté Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn avec Zeno. Côté abonné, partager. Moi c'est Tamara Suffren. Qui t'aime faire un petit chita parler avec nous sur façon pour nous traiter livre unique à cahier exercice élève premier à deuxième année fondamentale yo pral recevoir gratis ti chéri dans mes l'état haïtien à travers ministère éducation nationale. Là nous recevoir livre là à cahier exercice là pas jambe écrit dans livre là. Fait tout ça nous capable pour nous pas chiffonner livre là. Éviter sale livre là, éviter mouiller livre là. Toute précaution ça yo a permettre yon lot élève joindre occasion servi ak même livre ça dans yon lot année. Essay ap yon bel geste l'amour ak solidarité envers élève k'ap vini apprendre. Ajoutez sous ça, recyclage livre yo a permettre ministère éducation nationale faire moins dépenses dans année k'ap vini yo pour acheter livre. An prend soin livre nou yo pour nous kabay plus élève premier ak deuxième année fondamentale chance joindre livre pa yo. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Le gouvernement doit faire plus pour rouvrir l'aéroport selon Brian Nichols. 194 blessés par balle admis à l'hôpital universitaire La Paix du 29 février au 9 avril. Au moins 208 personnes assassinées de janvier à mars 2024 selon le RNDDH. Examen d'État, aucun candidat ne sera laissé de côté dans les zones privées d'école. Et puis, inflation persistante, région sud et ouest les plus touchées. Les efforts déployés par les autorités haïtiennes visant à sécuriser l'environnement immédiat de l'aéroport international Toussaint Louverture sont encourageants mais insuffisants, a commenté le sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols. Il rappelle qu'Haïti est classé dans la catégorie 4 des pays à haut risque pour les voyageurs, rapporte métropolehaïti.com. Les autorités haïtiennes ont lancé en début de semaine la démolition des maisons se trouvant à 6 mètres de la clôture de l'aéroport. Une dizaine de maisons sur plus de 173 identifiés ont été démolies. Visiblement, les autorités haïtiennes devront implémenter les 4 phases du projet visant à rendre l'aéroport safe. Le plan prévoit la démolition d'autres maisons jusqu'à la route nationale. Il s'agit d'un dossier prioritaire pour le gouvernement haïtien. Les fonds mobilisés seront distribués aux propriétaires des maisons pendant le processus de démolition. Plus de 330 millions de gourdes ont été mobilisés par le ministère des Finances à partir du Trésor public pour le processus d'expropriation. La fermeture de l'aéroport depuis plus d'un mois contribue à l'isolement d'Haïti. L'hôpital universitaire La Paix, l'un des rares hôpitaux publics en activité dans la région métropolitaine, est très sollicité depuis le début de la crise. Selon des statistiques fournies par sa direction générale, du 29 février au 9 avril, 194 blessés par balle ont été admis à cet hôpital. 6 de ces patients sont décédés, a précisé le docteur Paul Junior Fontilus, révèle le nouveliste.com.
Dans la foulée, le docteur Fontilus a évoqué les défis confrontés par l'hôpital pour offrir des soins aux patients dans le contexte de la crise humanitaire qui secoue la capitale. Nous avons des difficultés pour trouver le carburant et l'oxygène pour administrer des soins à nos malades. Certains partenaires nous viennent en aide pour nous aider à garder le cap, mais je ne sais pas pour combien de temps encore, s'est-il alarmé. Le docteur Fontus tire la sonnette d'alarme concernant une pénurie de pochettes de sang au niveau de l'hôpital alors que de nombreux blessés par balles y sont admis. Dans un